Seigneur, à la maison nous voulons dire veille culturelle de l'eau, ici à au département. Hélas, Baba Mal a honoré par sa présence. Nous avons donc vécu au métissage culturel, une intégration culturelle, qui est vraiment le soubassement de la vie du Seigneur. Mais effectivement, je vous remercie. Je reviens en arrière, je reviens un peu sur les précisions de cette veille culturelle. Vous savez que la communauté Moore est riche et variée en tout ce qui concerne l'art. Ils sont spécialistes là-dessus. Et ce que nous remarquons, la jeunesse maintenant a tendance donc à mettre de côté ce volet. Et c'est un volet qui est extrêmement important. C'est pourquoi donc nous avons tenu hier à faire revivre ce volet culturel pour le rehausser, pour montrer à cette génération les capacités de cette communauté au point de vue artistique. Parce que dans ce cadre, donc, hier, donc, on a initié, on a donc fait cette soirée culturelle pour franchement donner encore plus de teneur, plus de punch donc, à cette assemblée générale que nous tenons présentement. Il fallait accompagner donc, cette rencontre par cette vie culturelle pour, disons encore, faire revivre nos valeurs anciennes culturelles que nos grands, que nos anciens avaient, et pour les faire revivre, encore donner un autre, un cachet spécial pour la jeunesse. C'est dans ce cadre que nous avons donc fait ces journées culturelles. Quel sentiment avez-vous avec la présence de Baba Mal? Nous avons été très honorés avec la présence de son excellence l'ambassadeur Kutidra Baba Mal, qui a tenu donc à venir reposer donc sa présence de cette soirée culturelle, pour lui donner encore un cachet plus important. Ça c'était une plus-value. La présence de Baba Mal, c'était une plus-value de cette soirée culturelle. Donc lui, on lui remercie quand même de cette disponibilité de venir participer donc à cette soirée. Et il a même c'était très important parce qu'il nous a fait savoir que la plupart de ces chants sont d'origine moure. Il a donné l'exemple d'Elia, il a donné l'exemple Yaleili. Tout ça, c'est des chansons qui ont connotation moure, qui ont connotation donc de la culture moure. Et là, sans embâche, sans complexe, il a dit: ce sont des chansons qui sont donc tirées des chansons moures. Et au-delà de cet aspect dimension culturelle très diversifiée, Baba Mal a été très content pour dire que répondre au cri de cœur des artistes moures qui n'ont pas eu la chance d'être au rendez-vous de donner de l'histoire par rapport au volet culturel. Effectivement, il s'est donc engagé pour être notre porte-voix. Il s'est engagé pour être notre ambassadeur au niveau des autorités, pour que les gens quand même aient un regard sur ce que la communauté moure peut faire pour donner quand même, pour permettre à ces artistes, leur permettre de rayonner à l'image donc des autres, à l'image donc des autres cultures, que ce soit Sierra, que ce soit Toulon, sa Bambara, sa Polé, tout. Il a tenu donc à être notre porte-voix au niveau donc des autorités, pour que nous aussi nous soyons vus, nous aussi nous soyons donc admis parmi le concert des grands artistes. Et sur ce, la tenue de ces journées culturelles a été rendue grâce aussi au concours des autorités du département. Moi, là, je remercie donc les autorités étatiques, les autorités politiques du département qui n'ont pas ménagé aucun effort pour la réussite de ces journées. Je peux nommer donc les présidents du Conseil de l'Association environnementale, M. Abdoulaye Diallo, M. Cheikh Omar Anne,
ministre de l'Intérieur.